Alors là, on est dans le caca. Alors. On a un bloc à attacher à la chaîne. On est libéré. Ah. Hey, je reviens. Punaise, un bloc de béton. De béton? Ouais, c'est un bloc de béton. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Salut les amis. Plaisir de vous revoir sur la chaîne Sea Pearl. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024. Tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année 2024, plein de bonheur. On vous envoie plein de bisous. Et que vos rêves se réalisent. Les nôtres, on les vit en plein en ce moment. Donc on est parti, on a fait plein de choses. Hein. Plein de choses pendant. On est arrivé le 30 décembre en Martinique. Et on a vraiment gazé à fond, on a fait les réserves pour 3 mois, que ce soit à Auchan, Leader Price, on a même été à Fort-de-France, on a loué une voiture, etc. pour faire le plein, parce que nous envisageons de remonter, je ne dis pas encore où, mais nous remontons petit à petit, mais là, nous descendons, donc je suis allé à un chip où j'ai acheté 20 litres, un pot de 20 litres d'antifouling de chez International. Et nous avons fait une réservation pour Tyrell Bay. Voilà, où nous allons faire le carénage pendant 6 jours. Donc on est parti ce matin 8h30. Du moins là, il est 8h. Ouais, 9h, vous voyez, ça passe vite. Il est 9h, mais on s'est levé à 7h15 et on est parti dans la foulée. Là les enfants, Kiki elle est là, à surveiller, coucou Vincent. Ben il s'acclimate, hein. Ça c'est la première grosse nave. Donc on va aller directement, on part du marin, où nous sommes partis de là, où nous avions nos amis Kakeros, où nous avons passé quelques jours ensemble. Et on va longer Sainte-Lucie. Alors on va passer carrément Sainte-Lucie et nous envisageons directement pour la nuit arriver vers les coups de 18h, 18h30 à Saint-Vincent, directement à Saint-Vincent, à cet endroit. Alors je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il y a des reflets. Pour le lendemain, aller au sud de Saint-Vincent, aller à Bécoué. Ici, nous allons faire, alors là pour la nuit on va mettre le pavillon jaune, on va pas faire de clairance mais on va la faire à Bécoué. Donc on connaît en plus les lieux, très sympa, bien protégé, on a fait pas mal de rencontres bien sympathiques ici pour aller après à Tyrell Bay qui se trouve là. On va sortir le bateau ici. Voilà. Là, c'est Grenade. Voilà. Des travaux en perspective. Une mer. Donc là, on a quoi, 15 nœuds de vent. Ouais, 15 nœuds de vent. On a pris 2 ris. On joue la sécurité parce qu'on s'est pris quand même 2 grains entre temps. Donc, je vous montre un peu la mer. L'océan qui est un peu haché. On a un petit nouveau. Je vous montrerai ça dans une vidéo. On a un petit nouveau là. Dont les enfants, surtout Vincent avec son Fortnite, est bien content de jouer avec ses camarades restés en France, en métropole.
et c'est bien pratique. Donc je vous montrerai par où je suis passé pour amener le routeur à l'intérieur en 12 volts. J'ai fait tout un cheminement pour passer en 12 volts avec un petit convertisseur de 150 watts. Donc ça consomme 5 ampères 5, 6 ampères. Ça monte en crête à l'allumage à 7 et après ça se régule à 5,5, 6 ampères, qui est correct. Voilà, Océane elle dort, la pauvre. Et on vous montrera aussi, voilà, ils ont commencé les devoirs, ça y est, l'école à bord. Ça s'est bien passé les deux premiers jours. Bon, là on peut comprendre la première journée de navigation, on va les laisser un peu tranquilles. Mais le deal c'est du lundi au samedi. Bon, aujourd'hui comme ils vont pas le faire, dimanche, on rattrapera un peu. Mais il faut suivre les choses, il faut pas lâcher. Non, c'est le début de la Bérézina. Et voilà, nous voilà dans le chenal, canal, entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent-des-Gredindines. Nous avions 4-5 nœuds de vent. Et dès qu'on le passe, Sainte-Lucie, boum! Allez, 13 nœuds de vent par an. On file à 7 nœuds sans l'aide des moteurs. Et tout le monde est sur le pont. Coucou! Voilà. Plus personne n'est malade, curieusement. Ça ventile, ça fait du bien. Là, on voit magnifique les deux pitons, majestueux, très jolis. Et là, on voit pas encore Saint-Vincent et les Grenadines. Et pourtant, nous devrions arriver dans 3h30. Nous voilà arrivés à Bécoué, où nous avons mouillé hier soir à Château-Bélair. On est arrivé très tard dans la soirée, il était quoi, 21h30, nuit totale. Nous avons pioché, alors avec le sondeur, etc. Et ce matin, quand on a voulu lever l'ancre, et ça a complètement plié dans une patate ou un gros rocher. Le problème c'est que ça a fait tout péter. Je vais vous montrer. Heureusement que je suis équipé, mais ça c'est quand même impressionnant. Là les rivets ont sauté, les rivets ici ont sauté, et même les rivets à l'avant ont sauté. Donc je vais enlever la chaîne, je vais la déposer là. Et je vais popper. Heureusement, j'ai ça qui est assez puissant. Donc, voilà. Toujours des petites frayeurs. Alors, on avait mouillé à Château-Bélair. Il faut dire que ça descend très très vite. On a mouillé avec 12 mètres de fond. Et heureusement que j'avais la bouteille de plongée avec moi. La petite bouteille là de 1 litre. Ça m'a sorti de cet ennui, parce que du coup je suis allé à 6 mètres de fond et j'ai pu voir la configuration et on a pu s'en sortir comme ça à petite couche, touche, on a relevé l'ancre à petite couche. Donc voilà. Hop là. Bon, ben on se met au boulot. Et ben, nous venons de partir, au moins il y a une petite heure, de Tiralbe pour nous rendre à Kariakou dans la crique de Tiralbe, comme prévu. Alors on devait partir demain, mais vu les conditions météo qui se dégradent avec 27-30 nœuds de vent, donc on a préféré partir ce matin. On arrive vers les coups de 15h à notre vitesse là actuellement. Nous filons en vitesse surface à 7 nœuds 4, 7 nœuds 5, donc c'est très bien, avec un vent apparent de entre 16, 17, 19 nœuds de vent de travers, donc c'est très bien. La mer est bien formée, du moins ça va. Alors nous sommes partis avec le catamaran là-bas, on est parti presque en même temps, il trace comme un fou. Et après nous avions un voilier, un mono,
Donc on se tient à la bourre. Mais bon, il s'avère que nous, on a 3 mois de réserve, hein, dans les cales. Hein, donc on est hyper, hyper lourd. D'ailleurs, j'envisage de vider complètement presque les cuves pour libérer de 600 kg. Ça sera toujours ça de prix d'eau dans les cuves parce que on est surchargé. Voilà, les enfants là actuellement s'amusent parce que à la tablette avec Starlink, parce qu'en navigation les devoirs c'est pas très terrible, mais comme on va être pendant 6 jours à terre, ça va être douché, ça va être les bouchées doubles. Voilà, ouais, c'est un très beau abri, hein, Bekwe, c'est un très très bel abri. Et là, voilà, on arrive à 15h30 grosso modo. Donc on fait des belles pointes, hein. 6,5, 7 nœuds. On est content. Je vais vous montrer Vincent avec son casque. Comment il joue en ligne avec ses copains à Métropole. Hyper concentré. Kiki qui prépare à manger. Alors il joue à Fortnite. Alors les enfants, on n'est pas malade pour jouer, mais on est malade pour faire les devoirs, c'est ça, hein? C'est ce que j'ai bien compris. Qui gagne à Fortnite? Petite machine à laver là quand même, hein. Bien croisée, hein. La mer. Mais bon, on est bien content, hein, d'avoir opté pour un catamaran, hein. Parce que c'est quand même nettement plus, surtout au mouillage. Allez, les fruits. Hop, bonne pomme. Ah oui, au fait, je voulais pas montrer la nouvelle annexe de Sea Pearl que nous avons acheté avant le départ. Une super annexe Ultimate de chez 3D Tender. On est très content, on a pris également le cover. Et désormais, il y a une petite trappe à en incorporer. Et il y a même la nourrice antidérapant. Non, on est super content. Et là, on va se séparer de notre moteur pour en prendre un tout neuf lors de notre voyage. Donc, parce qu'il y a quelques, on a fait des petites réparations, mais il y aurait une révision plus globale. Donc, avec Kiki, on est parti du principe qu'on va naviguer pendant 8 mois. Donc, on préfère partir sur quelque chose garanti, 2 ans et 9. Voilà, ça va être nettement mieux, plus sécurisant. Allez, ça file. Donc, on est parti avec 3 riz parce que bon, c'était donné 22 nœuds devant, mais on a lâché le troisième riz, on a pris 2 riz là pour l'instant dans la GV et toute voile d'or pour le phoque. Ouais, on file, hein. Regardez-moi ça. Malgré 3 mois de nourriture, on file. On est bien content. La liberté, chérie, 7-3, 7-2, cool, cool, cool. Et donc on a tracé la route. Voilà, hop, hop, hop. Donc c'est Time Zero, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la version de CAF du logiciel. Donc voilà. Et voilà, nous arrivons bientôt, il est 2h30. Il était prévu comme prévu 15h30. Je pense qu'on va tenir les délais. Et voilà, Kariakou.
l'île où nous allons sortir le Seeper là. Donc on va aller derrière la pointe où il y a Tyrell B. Donc dans les canaux, il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Là, je prends le plaisir à manœuvrer Seeper. J'ai désactivé le pilote automatique. Ah, c'est sûr, c'est pas comme un mono où on sent énormément de sensations, mais ça le fait. Il y a 22 nœuds de vent. On file à 7 nœuds 5, 8 nœuds. Donc c'est pas mal. On sent les choses, on sent les éléments. Non, pas à pied, non. On va y aller en dinghy, on aura juste à traverser. Bon, ben, on vient de mettre pied à Tyrell B et on va faire la clairance. À ce qui paraît, il y a un monde fou. Tout le monde veut partir et nous, on veut rentrer. On veut rentrer pour pouvoir faire notre carénage. Ah, sacré chantier. Alors apparemment, la cahute bleue, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Eh oui, custom and immigration. Ah ben 16h, ça le fait. Ça va le faire. Il y a du monde. Elle est toute petite, la cahute. Et à ce qui paraît, ils sont pas commodes. Donc on va bien voir. Et voilà. On vient de sortir, du moins je viens de sortir des customs et de l'immigration. Alors leur réputation n'est pas plus à faire, hein, parce qu'effectivement, surtout le mec, je veux pas dire, mais on a l'impression que c'est une porte de prison, le gars. C'est pas presque, si c'est pas une fouille au corps. Bon, enfin, l'essentiel, ça a duré une demi-heure. Waouh, les amis, donc nous sommes mercredi 17 janvier. On vient d'avoir un appel comme quoi on est invité à se présenter à la marina avec que 6 heures de retard sur l'heure prévue. Nous devions sortir le bateau à 8 heures, il est 14h37. Voilà, bon, il faut apprendre la patience ici, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, ben on va lever l'ancre et on va se présenter là-bas. Allez! Eh ben, donc tu te souviens, Kiki, je t'ai demandé de prendre la pagaie, voilà, donc, dans le puits, voilà, tu prends, quand Vincent prend, voilà, tu te mets là. Faut faire quoi? Voilà. Vincent, c'est toi qui dis le go. Allez, première vitesse, petite vitesse. Alors, ce qui est bien sur Seeper, c'est que nous avons le guindeau qui se commande à distance, sans fil. Et ça, c'est un gros plus. Ouais, la patte d'oie. Comme un chef. Moi, je vous dis, Vincent. Comme un chef. On a 5 mètres de fond. On est sanglé, pas sanglé complètement, mais au moins on est amarré. Ça va, c'est notre premier, hein, avec Seeper. Alors Kiki,
Comment tu t'es senti? Bien, ça, ouais, ça va. Par contre, je vous mettrai un autre barbatage là-bas, moi, pour protéger. Ouais. Il y a celui-ci, non? J'ai tout mis dans les j'ai tout mis pour les coffres. Ouais. Là, il nettoie au Karcher. On fait la même chose pour nous? Hein, bien sûr. Mais ça coûte $100 US pour faire ça. Et il est propre, hein? Ouais, ben nous aussi pendant une semaine. C'est le bateau Fabio, c'est ça? Et vos prénoms c'est Lionel et Fabienne. Loulou, Kiki, Vincent et Océane qui est à l'intérieur. À l'intérieur, en train de jouer comme belle habitude. Et donc vous partez dans combien de temps? Lundi. Nous ah ben nous aussi lundi. Ben 6 jours. Moi j'ai pris 6 jours. Mais je vais travailler jour et nuit. Non. L'occasion de boire un petit coup. Ensemble. Ah ben maintenant je comprends. En voyant faire, je comprends maintenant. Pourquoi ça met un temps de dingue pour sortir les bateaux de l'eau. Les mecs, ce sont des charrues. Ah les pauvres. Ensemble, ce sont la direction hydraulique. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais je commence à prendre peur pour mon bébé. Allez, Vince. Allez, un pied à terre depuis une semaine, c'est ça? Quoi? Pied à terre depuis une semaine? Ouais. Tu vas aider ta soeur? Parfait. Non, c'est bon. Et zou! Ouais, mais j'ai changé également les assises là. Je les ai fait fabriquer au marin. Je suis un des bédistes et j'ai passé 4 couches de wall skin de chez International. C'est super parce que ça ne s'écaille pas avec le temps. Voilà. Il va se faire une beauté. Allez, maintenant on va transpirer, hein? C'est ça. Tu veux des frayeurs? Des frayeurs, non? Pourquoi? Non, je veux pas de frayeurs. Non, mais... Regarde les gars, regarde les gars. Ils poussent. C'est l'hydraulique qui déconne. En somme, l'hydraulique ne fonctionne pas, donc c'est eux qui manœuvrent. Comme en l'ancien temps. Incroyable. Ouais, c'est comme ça. Alors, les amis, on sort du bureau. Et qu'est-ce qu'on vient de nous annoncer là, Kiki? Il n'y a rien de grave, il y a juste ce matin on attendait qu'il nous donne le signal pour venir sortir le bateau à 8h, depuis 8h ce matin on attendait le signal, 14h. Moi, juste pour info, hein, ça m'a tellement un peu travaillé qu'à 5h30 j'étais pas sur le pont mais j'étais debout. Oui, donc 14h on se dit tiens, on va peut-être les rappeler quand même. 14h30, il nous donne le signal, c'est bon, vous pouvez venir. Donc on y va, on lève l'ancre, en plus on avait la chaîne accrochée à une patate. Bon, on se dépatouille de ça, on arrive devant l'endroit où ils font le carénage. On patiente encore, finalement on arrive prêt à ce qu'on lève le bateau pour nous entendre dire « Ah ben non, c'est reporté à demain ». Voilà. Parce que 4 heures, c'est 4 heures. C'est ça. Avec tout le temps perdu. Moins 10. Avec tout le temps perdu. 4 heures moins 10. 4 heures moins 10. Donc, on n'a plus le temps. Voilà. Allez, on ferme le rideau. On se voit. L'employé, il est venu me dire désolé, I'm sorry. Alors, ça, c'est sûr. Hein, I'm sorry, je l'ai entendu 20 fois.
Mais bon, résultat des courses, bon, on repousse d'un jour notre remise à l'eau, du coup. La sortie. Et oui, oui, la remise à l'eau. C'est ça. Voilà. Donc on est là, voilà, bon, tranquillou. On va passer la nuit ici. On va passer la nuit ici. Ouais, il y aura moins de... On était bien, hein, parce que c'est vrai que sur l'eau, on respire mieux. Hein. Dès qu'on se met à terre, on sent le poids, oui, la chaleur. Hein. Bon, ben voilà, ben, rendez-vous à demain. Alors, oui, ça c'est normal, je viens d'éteindre les instruments de navigation. Alors j'arrive pas à comprendre parce que je viens de mettre les instruments de navigation, j'ai le profondimètre qui va arriver, j'ai le vent vrai, le vent apparent, la vitesse du vent, et je ne comprends pas pourquoi le vent apparent va se mettre à planter et tout le reste va suivre. Et ça au bout de quoi, 15 secondes. Donc j'avais pensé à un mauvais contact en haut. Je les ai tous passés à la bombe anti-poussière. Voilà, là, ils viennent disparaître et bam, carafe, plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Donc je me pose des questions. Je vais me mettre à chercher. Mais ça m'ennuie. Bon. Et eh bien là, je vais devoir aller en haut du mât parce que j'ai la girouette. Ah ben oui, tout en haut, oui, quand je te dirai stop. Donc on va prendre du nettoyant en contact parce que j'ai la girouette anémomètre qui ne fonctionne plus. Vincent, tu mets le moteur tribord en marche s'il te plaît. Donc tu attends quand ça s'éteint. Très bien. Tu veux que je filme d'un coup ou elle peut faire une. Par exemple, le début de la montée, après. Comme tu veux. Elle attend et après elle reprend là-haut. Fais comme tu veux. Océane, c'est la cinéaste. Allez, Vincent, essaye. Commence. Rapide ou doucement? Doucement d'abord, toujours. On part doucement. Alors attends, deux secondes. Toi, maman, t'es chargée de dire attends. Voilà, je m'installe comme un pacha et on peut y aller. Attends, parce que, regarde, c'est pas... Oui, c'est normal. Bah oui. Mais je vais là, on vérifie les soudures. Nickel. Hey, j'ai bien fait de monter. Attends, stop. Ah, j'ai bien fait de monter. J'ai bien fait de monter. Non, non. Oui, ça c'était bien. Punaise. Juste après, monte un tout petit peu encore. Top. Hey, comme quoi, toujours intéressant, minimum deux fois par an, de monter en haut de son mât. Allez, une
une petite rafale. Ah, punaise, je l'avais fait sévère, hein. Cette chaise. N'empêche, il ne faut pas avoir le vertige, hein. Ma caniche. Plus large d'ailleurs. Ah, punaise, c'est pas évident. À 20 mètres de haut. Ah, non, c'est pas évident. Et j'ai pas mon petit chalumeau. Pas prévu. Au programme. Allez, quand ça part, ça ne part. Ah si, super. Je vais pouvoir mettre du doux nettoyant contact en espérant que c'est ça. En espérant que ça soit ça. Alors, prenons la tige. Elle est là. Ok. Ok. Ouh, les amis. Eh ben, c'est notre tour aujourd'hui. Ce matin,